Good morgen, allez, il est nécessaire aujourd'hui le Nishmat Avraham Mordechai ben Yitzhak Befani et Dvorah bat Esther. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions en Sechet Yavam, votre père Yigdalet Mishnah Gimel, Shomeret Yavam, Shinatsula Nechassim, Modim Bet Shamay ou Bet Hillel, Shemocheret, Venotenet, Vekayam. Meta Amaya Subiktu Bata, ou Bin Chassim, Anichnassim, Vyotzim, Ima, Bet Shamay Omrim Yachaloku, Yorche Abaal, Im Yorche Yahav, ou Bet Hillel Omrim, Nechassim, Bechazkatan. Ktubata bechazkat yorshe ha'baal, nechassim anichnasim veyutzim imaa, bechazkat yorshe ha'av. Une Mishnah relativement difficile dans la mesure où elle va parler d'un sujet qu'on n'est pas du tout habitué dans Yevamot. On a la même Mishnah qui se trouve aussi dans Masechet Ktuvot, Perek Chet Mishnah Vav. C'est intéressant, c'est la moitié. Perek Dalet, c'est la moitié de Chet, 4 c'est la moitié de 8, et Gimel Vav. D'accord? En tout cas, on va parler dans notre Mishnah des biens qui appartiennent à la femme, à la Yevama, tant qu'elle n'est pas encore, tant qu'elle n'a pas été mariée par le frère, à qui appartiennent ces biens, à la différence d'une femme. Soit, on va faire d'abord une petite introduction pour expliquer que dans les biens que le mari doit à la femme, au moment où il la divorce, au moment où il décède, il y a trois parties dans la Ktuva. Ce qu'on appelle Ikar Ktuva, et Tosefet, Nirse Milog, et Nirse Tson Barzel. Lorsqu'un homme se marie avec une femme, il s'engage tout d'abord que le jour où il la divorce ou le jour où il meurt, la femme n'hérite pas de son mari, mais son mari s'engage à lui laisser une part de ses biens pour qu'elle puisse continuer sa vie. D'accord? Parce qu'on s'engage, les gros chiffres qu'on dit dans la Ktuva, chacun à sa manière. On donne 200 zouz, ou il y en a qui donnent 10 000 dollars, 20 000 dollars, euros, ce que vous voulez. D'accord? Ça, c'est la Ktuva. À part ça, il y a encore deux parties à expliquer. Lorsqu'une femme, elle se marie, elle a des biens. Elle peut avoir des biens. Si elle se marie, il n'est pas question qu'elle va se marier et qu'elle va continuer à avoir ses biens personnels, et son mari, lui, il va suer pour apporter la parnassa à la maison. En général, ils ont la possibilité de séparer les biens, ça existe, mais en tout cas, en général, la femme, elle va passer ses biens, léguer ses... Non, passer, on va expliquer pourquoi. Passer ses biens au mari, et le mari va les exploiter, les utiliser, mais il s'engage que le jour où il divorce sa femme, ou il meurt, il lui rend ce qui lui appartient. Et sur ça, on a deux sortes de biens. Il y a les Nirse Milog et Nirse Tson Barzel. Nirse Milog, ce sont des choses qui appartiennent à la femme, qu'elle va faire entrer dans la maison. Le mari a le droit de les utiliser, pas de les vendre, il les utilise, mais s'il s'use, il ne doit plus rien à la femme après. Par exemple, elle va faire entrer un set de draps. Ça appartient à elle, elle l'a acheté avec son argent quand elle était jeune fille. Elle s'est mariée, le mari les utilise. Il la divorce, il lui rend les draps. Mais elle va pas commencer à lui dire « Mais quand je me suis marié, je vais rentrer des draps tout neufs, aujourd'hui j'ai des draps usés, troués. » tu m'as fait perdre la moitié du prix ? Non. Et lui rend tel quel. Ça s'appelle Nirse Milog. Le mari, il est Molé Gotam. On expliquera tout ça quand on est sur le coup de vote, ça peut faire un peu trop lourd, quoi. D'accord ? On retient l'idée, mais en fait, j'aime qu'on avance avec. Et donc, il y a Nirse Milog. C'est les biens que, lorsque, donc, comme on a dit, qu'il rentre, il les utilise, et il les rend tel quel à la fin. Et il y a les Nirse Tson Barzel. À part ça, elle a d'autres biens qu'elle va faire rentrer, mais lorsqu'elle va se marier, on va évaluer les biens. Il va le temps et temps. Le mari, il va ensuite les utiliser. Il va les exploiter. S'il les a usés, il devra payer la contre-valeur jusqu'à leur valeur initiale qu'on a fixée. Ça peut être toutes sortes, imaginez, d'accord, ça peut être. Ça a des biens plus immobiliers, des biens, des champs. Sinon, vous imaginez bien, elle va lui faire entrer une terre. Lui, il va l'exploiter en lui faisant pousser des végétaux qui vont user le carcas, qui vont user la terre, après il va lui rendre. C'est pas juste. Il va falloir faire une évaluation pour qu'il complète tout ce qu'il a fait manquer au bien. D'accord? Donc on a expliqué, maintenant on a parlé de trois choses. La Ktuva, ce qu'on va appeler les 212, comme à l'époque. 212, à part ça, il y a les Nirse Milog, on va appeler ça les draps. D'accord? Comme ça on a un code pour parler entre nous. Les draps qu'il utilise, qui rend tel quel. Et les biens à rendre tels quels, j'ai pas d'exemple bien clair, on va prendre des machines avec lesquelles on va produire quelque chose. Elle fait entrer ces machines, ça appartient
à elle, il va les utiliser, il va les exploiter, il va fabriquer avec, après, il va les lui rendre, il doit compléter ce qu'il a usé. Ok? On a bien retenu les trois choses? Maintenant, tout ça c'était la pré-introduction. Maintenant, on va faire l'introduction aussi, à part ça. Il y a... Alors, la Mishnah, c'est une Mishnah qui va nous projeter directement dans une scène particulière. Il y a en fait dans Ktuvot, lorsqu'on est sur Ktuvot, il y a dans Perekret, Mishnah Hei, pas encore Mishnah Vav, il y aura une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel sur la femme fiancée. Lorsque le mari décède, ou qu'il la divorce, qu'est-ce qu'il doit lui rendre, qu'est-ce qu'il doit lui donner. Il y aura une marloquette Beth Shammai et Beth Hillel, on n'en parle pas. Notre Mishnah, elle va maintenant s'intéresser à la Shomeret Yavam. Shomeret Yavam, c'est la Yevama qui est en attente qu'on lui fasse le hiboum. Elle est Shomeret, elle est Metsapa, va vivre Shamar et Tadavar, il rapporte tout ce truc. Elle attend qu'on lui fasse le hiboum, elle s'appelle une Shomeret Yavam. Elle a des biens. Comme ce qu'on étudie maintenant depuis plusieurs Mishnayot en arrière, c'est le statut particulier de la Yevama lorsqu'elle n'est pas encore mariée. Qu'elle est à moitié mariée au frère. D'accord? Il y a le frère défunt qui lui a fait les Kiddushin, qui lui a fait les Nisuin même, qui s'est marié avec elle. Ensuite, il est décédé. Cette femme-là, elle n'a pas le droit de se marier avec tout le monde, elle n'est pas le moment. Comme un peu la femme de tous les frères en même temps. Et on a appris qu'il y a deux situations. Il y a la situation initiale, tant qu'elle est là. Et il y a la situation maintenant un peu plus délicate, c'est lorsqu'il y a un frère qui a déjà fait le Kiddushei Ma'amar. Il a déjà commencé à la rapprocher d'elle. Ouais. On va s'intéresser dans notre Mishnah à définir le statut des biens et des héritages aussi, de la Yevama, tant qu'elle est dans ce statut particulier, qu'elle est à moitié femme, et aussi le statut de la Yevama, lorsque il y a un frère qui va lui donner les clés de chez Mamar, et qu'après, la Yevama va décéder, qui va l'hériter? Qui va hériter de cette femme? Parce que le mari hérite de sa femme, la femme n'hérite pas son mari, mais le mari hérite des biens de sa femme. Ok? J'espère qu'on a introduit tout ce qu'il faut pour que maintenant, on va réussir à lire la Mishnah de manière plus simple, et comprendre. Mais dans ta chaîne. Non, il manque encore une petite introduction. Il y a maintenant, à part ça, imaginez maintenant la situation. Un homme qui est marié avec sa femme, issu pour apporter la nourriture à la maison et pour pouvoir entretenir une... Et elle a son arrière-grand-mère d'Amérique qui décède en lui léguant 87 millions d'euros. Milliards d'euros, ce que vous voulez. Vous imaginez bien que c'est pas digne que maintenant, les biens qu'elle va recevoir, elle va se la couler douce en se faisant une manucure... tous les jours, et lui, il est en train de suer, à ramasser les poubelles dans la rue pour pouvoir apporter la parnasse à la maison. Chachamim m'ont instauré que dans la Ktouva, les biens qu'elle va recevoir en héritage, il faudra qu'elle, ils vont prendre, elle va les faire rentrer en, alors, soit en Nirsé Milog, soit en Nirsé Tson Barzel, ça ne nous concerne pas pour le moment, d'accord? J'ai pas envie de dire de bêtises non plus. Ok. Ça, c'est une femme classique. Quoi qu'il arrive, le mari va avoir le droit de les exploiter. J'ai un petit doute, est-ce que ça devient un Nirsé Milog, une Nirsé Tson Barzel? Je ne sais pas, je ne vais pas parler. Mais pour le moment, donc, c'est la situation particulière d'une femme qui est mariée, qui reçoit un héritage. Dans notre Mishnah, la Mishnah va commencer à nous parler maintenant. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une Shomeret Yavam, donc une femme qui est en attente de Yiboum, que dans cette situation-là, elle reçoit cet héritage? Est-ce que le Yavam va avoir un quelconque droit, ou est-ce qu'ils vont appartenir entièrement à la femme pour qu'elle en fasse ce qu'elle veut? Elle a la... Parce que, je précise, on est en train de parler donc d'une femme qui, en théorie, ça va... Elle est déjà moitié fiancée à moi. Si c'était une fiancée, maintenant je reviens... Si c'était une fiancée qu'elle reçoit en héritage, elle est limitée. C'est sur ça, en fait, qu'elle a la marque de Beth Shammai et Beth Hillel, je me suis trompé un peu tout à l'heure. C'est sur ça qu'elle a la marque de Beth Shammai et Beth Hillel. Elle est relativement limitée, même si elle n'a pas le droit de dilapider les biens qu'elle reçoit, par exemple. Mais la Mishnah, elle vient, elle m'enseigne comme ça. Une Shomeret Yavam Shenaflula Nechassim. Une Yavama qui est en attente de Yiboum. Et que dans cette situation-là, Naflula Nechassim, elle reçoit un héritage. Alors, dans ce cas-là, Modim Beth Shammai ou Beth Hillel, Beth Shammai reconnaissent à Beth Hillel, il n'y a plus de discussion sur ça, à la différence d'une femme fiancée, chez Mocheret Venotenet, qu'elle aura le droit de les vendre et de les donner autant qu'elle veut, comme elle veut, des Kayam, et personne, et ça se maintient, personne ne pourra contester sa vente. Ouais. En deux mots, la Yevama, lorsqu'elle reçoit des biens, elle a le droit de les dilapider. D'accord? C'est ce que la Mishnah est venue nous enseigner. Après toutes nos introductions, c'est en deux mots pour le moment ce qu'on a parlé. Ok? C'est clair? Deuxième, halakha. C'est clair donc pour le moment?
La veille des femmes, tant qu'elle est vivante, elle reçoit des biens, elle a le droit de les dilapider. Alors qu'une femme fiancée, lorsqu'elle reçoit des biens, elle est limitée. Elle n'a pas le droit de les dilapider. Il y a une marloquette qui sont faites a priori, a posteriori. Tout ça, on verra dans Maseret Ketubot. Mais pour la Yevama, elle a le droit de les dilapider, dans la mesure où c'est vrai qu'elle est à moitié mariée, mais elle est à moitié mariée, et elle est aussi à moitié pas mariée, et elle a une situation assez particulière qui fait que ce n'est pas encore la vraie femme d'aucun Yevam. Ok. Et pour le moment, dans la Mishnah, la Gemara, elle préfère expliquer qu'on parle qu'elle a personne, aucun des frères ne lui a fait les Kiddushei Ma'amar. Si un des frères avait fait les Kiddushei Ma'amar, alors il y aurait une différence entre a priori et a posteriori. A priori, elle n'aurait pas le droit de les dilapider. A posteriori, ce qu'elle a fait, c'est maintenu. Ok. Deuxième situation, Meta. Elle décède. Donc, elle était supra riche, elle avait plein de biens. De son mari même, du frère. Et du frère défunt. Elle avait donc, maintenant il y a trois parties dans sa ktouba, vous rappelez. Il y a les 200 os initialement qu'un homme doit laisser à sa femme. Il y a, on avait dit les draps, ou tout ce qui ressemble aux choses qu'il doit rendre telle qu'elle. Et on a dit les machines, vous vous rappelez. C'est bon? Alors maintenant on va rentrer dans la Mishnah. Meta, si elle décède, Maïrasu Biktubata, qu'est-ce qu'on va faire avec sa ktouba, c'est-à-dire avec les 200 os? Ou Benechassim, Anechassim, Yossim, Mima, avec les biens qu'elle doit prendre, qu'elle fait entrer et qu'elle récupère à la sortie lorsqu'elle divorce ou que son mari décède, soit les Nirsé Milog, les draps, et on n'en a pas parlé vraiment des Nirsé Tson Barzel, les machines. Alors, Bet Shamay Omrim, Bet Shamay nous enseigne Yachloku. Je traduis d'abord la Mishnah, après on va expliquer parce que c'est difficile à faire entrer dans les mots. Bet Shamay Omrim, Yachloku. Bet Shamay disent, faut tout partager. Yachloku, Yurcha Abal et Yurcha Av. Les héritiers du mari partageront avec les héritiers du père. En fait, on parle qu'il y a, donc il y a les deux parties. Les héritiers du mari, c'est les enfants du Yavam. Et les héritiers du père, c'est du père de la fille. Parce qu'en fait, parce qu'une fille, elle se marie, c'est le père qui donne des choses au gendre, en général. On n'a pas une femme qui est supra riche si elle n'a pas un père qui lui a tout donné derrière. Comme ça, c'était à l'époque, en tout cas. Donc, d'après Bet Shammai et Bet Shammai Omrim, Yachloko Yorshe Abal im Yorshe Av. Bet Shammai disent que il faudra partager les héritages, les biens de Ktouba. On va expliquer de quel bien exactement on parle. Parce qu'il faut d'abord expliquer Bet Hillel. Ou Bet Hillel Omrim, Bet Hillel enseigne, non, Nechassim Becheskatan. Les biens, il faut les maintenir là où ils sont. Qu'est-ce que c'est cette phrase bizarre? On parle des Nirsetson Barzel, en fait. On parle des machines. Que il faut les laisser là où ils sont. Dans le doute, on les laissera à celui qui les détient pour le moment. Et ensuite, Ktouba, les 200 os, Becheskat Yorsha Abal, ils sont dans la possession pour le moment, dans le doute, de Yorsha Abal, des héritiers du mari, et Nechassim, Anichnassim, et Yosimima, tandis que les Nirsetson Barzel, ce qu'on appelait les machines, eh bien, ils seront Becheskat Yorsha Abal, à Av, ils appartiennent pour le moment dans la famille de la fille. Alors, on explique qu'est-ce qui se passe. En fait, d'abord, la problématique qu'il y a, c'est que la Yevama, quand il y a un frère qui lui a fait les Kiddushei Ma'amar, il l'a déjà rapproché de lui. Ça devient un peu plus sa femme. Mais pas complètement. Parce qu'il ne s'est pas encore marié avec elle. C'est un ange comme Idera Banane. Et c'est vrai qu'il l'a rapproché de lui, mais il ne s'est pas encore marié avec elle. Alors maintenant, la problématique qu'il y a, c'est qu'il y a une situation de doute. Est-ce qu'elle est devenue sa femme ou elle n'est pas encore devenue sa femme? Et le dénouement du doute, ça veut dire, dans le doute, il faut laisser chaque chose là où il est et les partager. Soit, vous savez, vous connaissez les règles. Amosim Chaviro à la Varaya. Celui qui, chaque fois qu'on a un différent d'argent qui va naître entre deux personnes, la première chose que le juge va faire, va définir, bon, l'argent, il est où pour le moment et qui le réclame. Et après, à celui qui va vouloir le réclamer, on va lui dire, alors, Amosim Chaviro à la Varaya, toi que tu viens retirer de l'argent de ton ami, prouve-nous que cet argent te revient. Et si l'argent ne revient pas de droit, alors on le laisse dans sa chazaka, on le laisse dans celui qui le possède, dans celui qui le détient pour le moment. D'accord? S'il y a un doute, est-ce que je vous ai vendu ce crayon? Est-ce que je vous l'ai vendu ou pas? Puisque pour le moment il m'appartient, vous avez un doute, est-ce qu'il est à vous ou pas? Dans le doute, le juge va dire, il reste le mien, il ne va pas dire de le partager. Il y a des biens par contre où personne de nous deux le possède. Dans plusieurs situations, et alors là, la ce sera plutôt de le partager en deux. Ok, on a compris le principe. Alors maintenant, on va revenir maintenant sur la Yevama qui décède.
quand il y a un des frères qui lui a fait le Yavam, donc on avait Reuven Shimon Levi, Reuven dit, c'est le premier qui est décédé, la Yavam elle est en attente de Yiboum, et la pauvre elle décède. Maintenant, Shimon, avant qu'elle décède, il avait déjà fait le Kiddushé Mahamar, il avait se marié avec elle. Cette Yavama là, elle est très riche pour plusieurs raisons. Son mari, d'abord, il s'était déjà engagé de lui donner 200 zouz, quand il décède. Il y a par ça, lorsqu'elle s'était mariée, elle était jeune fille, son père lui avait donné à sa fille plein de draps, plein de nirsemilog, et à part ça, plein de machines pour pouvoir fabriquer des choses. Le mari s'était engagé de les rendre. Lorsqu'il est décédé, mais que c'est son frère qui va la prendre, qui doit la prendre en Iboum, qu'elle a fait le Jamama, c'est lui qui va prendre tout ça, en théorie. Le problème, c'est qu'elle est morte. Alors sur ça, on va dire, mais écoute, chaque chose, elle reste à sa place. Alors là, ça va devenir délicat. Les nirsemilog, pour premièrement, les draps, ce sont des choses qui appartiennent à la fille, à la femme. Le mari a le droit de les exploiter, lorsqu'il décède, il doit les rendre. Donc là, en l'occurrence, le Shimon qui a donné les cul de Shem à Amar, lorsque la Yavama décède, il doit les rendre à la famille du mari, à la famille de la fille, au Yorché Av, aux héritiers, à son beau-père, en deux mots. Au beau-père, au père de la fille, de la femme, de la Yavama. Ok, ça c'est clair. C'est ce qui a écrit d'ailleurs dans la dernière phrase, c'est Nechassim, Nechassim, Yosimima, les biens qui rentrent et qui ressortent, qu'elle récupère telle qu'elle lorsqu'elle sort, donc elle a dit les draps, Becheskat, Yorché Av, ils restent dans la possession de la maison du père, du beau-père, premièrement. Autre chose, on passe à l'autre extrême maintenant, c'est plus facile, on prend la mission à l'envers en fait. On a Ktubata, Becheskat, Yorché Aval. Maintenant, on a une nouvelle situation à part ça. Est-ce que la femme, elle est décédée? Est-ce que les 200 zouz que le frère s'était engagé à donner, est-ce qu'ils lui reviennent à la femme ou pas? Ou est-ce que non? Alors là, dans le doute, ouais, le frère le premier, Reuven, qui était décédé initialement, il s'est engagé de donner 200 zouz. Mais maintenant, lorsqu'elle est Yevama, il ne doit pas donner les 200 zouz parce qu'elle est mariée à son frère. Finalement, elle décède en plein milieu. Est-ce qu'elle a déjà acquis ces biens-là? Ou elle n'a pas encore acquis ces biens-là, parce que pour le moment, elle n'avait pas acquis. Dans le doute, de nouveau, il reste en la possession de la maison du frère, cette fois-ci. Et de plus précisément, d'accord, dans la maison du mari. Berkhaskatur, chez Abbaal. Il ne doit pas les donner, les 200 sous. Maintenant, là, on a une situation supra-délicate. C'est les Nirsei Tson Barzel. Les machines. En fait, il faut expliquer un petit peu mieux l'histoire des machines, c'est délicat. Tout ça, c'est dans tout votre web, ne vous affolez pas si vous ne comprenez pas, ne vous inquiétez pas, lorsqu'on est sur un pilote, tout deviendra beaucoup plus clair. Mais pour le moment, on a les machines, donc. Les choses que, lorsque le mari fait rentrer, lorsque la femme se marie, le mari prend tous ses appareils, tous ses outils, par exemple, il va devoir les utiliser, et après, il doit les rendre, mais même en payant la différence si jamais ils ont été dévalués. Ça, ça nous rapporte à une situation très délicate, que d'un point de vue prochain mishpat, d'un point de vue argent, comment dire, litige d'argent, alors il est possible que les biens, en fait, ils appartiennent concrètement au mari, mais qu'ils sont engagés de donner de nouveau des biens. Soit, je m'explique un petit peu mieux, si vous me prêtez un kilo de sucre, et que je vais vous rendre, lorsque je vais vous le rendre, je ne vais pas vous rendre un kilo de sucre, ce kilo de sucre, je vais vous rendre un autre kilo. Il s'avère que le kilo de sucre que vous m'avez donné, vous me l'avez entièrement donné et je me suis engagé à vous rendre de par ailleurs du sucre. Si dans une situation pareille, il y a un décès et qu'il faut les rendre, alors il n'y aura pas de possession. Dans le doute, le sucre qui a été donné, il appartient au défunt. Il s'est peut-être engagé à le rendre, à rendre un autre. Mais celui-là spécifiquement, il appartient au défunt. Parce qu'au moment où on reçoit un prêt d'argent ou un prêt de choses qu'on ne doit plus rendre la même chose telle qu'elle, il s'avère que la chose que vous me donnez, elle m'appartient. Et je me suis engagé de par ailleurs de donner autre chose. C'est le principe. Les outils, machines que la femme fait rentrer à son mari, puisque le mari s'est engagé à payer même leur contrepartie si toutefois ils ne seront plus là. Alors d'une certaine manière, les biens qu'elle a fait rentrer, ils appartiennent au mari. Complètement. Et le mari, il s'est engagé de les rendre, de donner autre chose. C'est vrai que s'ils sont là, il devra rendre ce qui reste, avec en plus de ça, rajouter un complément. Mais ça fait rentrer dans trop de détails. Mais en tout cas, concrètement, le fait qu'il doit payer toute la contrepartie, ça signifie que son vrai engagement, ce n'est pas de rendre cet appareil, mais c'est de rendre
c'est 1000 shekels que ça vaut. Ok? Selon ce principe, ça fait une situation super délicate lorsque la Yavama décède. Est-ce que les Nirsei Tson Barzel, est-ce que donc les machines et outils qu'elle a fait entrer, est-ce qu'ils sont dans la possession du mari ou est-ce qu'ils sont dans la possession de la femme, en théorie? Que dans une situation de doute, on ne sait pas à qui le donner. À cause de ça, c'est sur ça que Beth Shammai ils disent, bah, puisqu'il y a un doute, yachloku. Et Beth Hillel, ils viennent nous disent une phrase étrange, qui nous dit, non, il faut les laisser dans la possession de celui qui les détient pour le moment. Or, on ne sait pas c'est qui les détient. Ça fait une marloquette. Et c'est-à-dire en fait que Beth Hillel aussi, il va nous dire, à cause de ça, c'est-à-dire que même d'après Beth Hillel, puisqu'on ne sait pas à qui les faire détenir, on ne sait pas qui les détient, il faudra les laisser. Il faudra dans ce cas-là les partager entre les deux. En fait, il s'avéra que concrètement, la halakha sera fixée comme Beth Shammai, parce qu'on a du mal à comprendre les mots de Beth Hillel qui ont dit Nirchasin Bechaskatam. D'accord, vous avez compris le principe? Et je pense que c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tov V'Seala.